Merci. Je confirme que nous sommes les ambassadeurs des pays africains accrédités à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est un honneur d'être reçu par l'honorable président de l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre des consultations régulières avec le groupe africain et c'est un signe de confiance. Monsieur le président nous a conviés aujourd'hui, c'est pour faire une présentation sur l'évolution du processus électoral. C'est un processus électoral qui n'est pas facile, comme dans tous les pays du monde, à la veille des échéances des élections 2023. Et la présentation, elle était vraiment sincère. Il a étalé toutes les étapes et les discussions avec les différents partenaires. Comme j'ai dit, c'est un exercice très utile et c'est très démocratique, avec nos souhaits que les prochaines échéances soient une continuation du résultat très, 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 dont nous sommes fiers des dernières échéances. Comme je l'ai dit à maintes reprises, l'évolution démocratique en RDC et surtout les dernières élections en sont un cas d'école pour tout le continent. Et nous souhaitons vivement que ce processus continue lors des échéances, des prochaines échéances. Notre avis, je vous le dis sincèrement, d'abord, c'est une question interne. Et il faut prendre en compte et respecter la souveraineté de l'État et du peuple RD congolais. C'est un processus électoral et c'est une question interne. Nous devons d'encourager ce processus. C'est ça notre position. Non, j'ai dit qu'on a été reçu par M. le Président de l'Assemblée nationale qui a fait une présentation très détaillée, très sincère de l'évolution du processus. Nous, en tant que groupe Africa, on a été sollicité par M. le Président de l'Assemblée nationale et nous avons répondu favorablement. Merci.